Bonjour tout le monde, ici c'est Méane et je vous retrouve aujourd'hui pour enfin la vidéo que vous attendiez tous, j'en suis sûre. Non, je plaisante. Mais une vidéo dont vous avez beaucoup entendu parler parce que je vous ai quand même montré déjà pas mal de passages à l'intérieur. Les trois jungles journal sur la thématique des oiseaux. Et ceux-ci ont la particularité d'être bien chargés en décoration et éphéméra, surtout à l'intérieur. C'est un projet qui est aussi un petit peu une étape franchie pour moi parce que c'est la première fois que j'arrive à non pas faire un journal mais vraiment une série de journaux. J'ai fait les trois en parallèle et l'un dans l'autre, ça m'a pas pris tant de temps que ça. Ils sont globalement tous construits sur le même modèle, même s'ils ont chacun leur variations et pas que au niveau des images. Mais je vais quand même vous montrer un peu plus en détail le premier et je J'irai un peu plus vite sur les suivants parce qu'ils se ressemblent quand même pas mal. Donc, on commence. Chacun a un petit embellissement ici, accroché sur le ruban, qui est ces petites épingles qu'on avait fait ensemble dans une vidéo relativement récente. Et ce morceau de ruban-là vient d'un foulard blanc. Que j'ai tout simplement découpé, la couverture est faite avec un morceau de papier peint, j'aime vraiment décidément énormément faire les couvertures en papier peint, donc c'est clairement pas la dernière fois que vous voyez ça, la reliure toujours en trois points, toujours avec du fil de broderie, et tout le tour a été cousu à la machine avec du fil rose. Alors, j'avais d'abord commencé à faire le point en zigzag. J'ai trouvé que j'avais été trop à l'intérieur et puis ma machine à coudre a pas non plus une grande variété de points sympas, je trouve. Donc finalement, je me retrouve à toujours soit faire des points droits, soit faire des points en zigzag. Mais du coup, c'était pas très satisfaisant. J'ai trouvé juste avec le zigzag, c'est pour ça que j'ai rajouté pour refaire un tour. Euh, un point droit et du coup ben je trouve que ça nous fait une espèce de cadre plutôt sympa. La dentelle ici vient d'un vieux couvre-lit. Ensuite, on a un morceau de papier à musique qui vient d'un vieux livre de ma grand-mère et une image d'oiseau que j'ai euh, découpée. À l'intérieur, on a également un morceau de papier peint et il n'y a rien au milieu, donc contrairement au junk journal fait à partir d'une enveloppe où les papiers peints se trouvaient collés et cousus de part et d'autre de l'enveloppe, ici on a vraiment juste deux couches de papier peint. Cette page-ci vient d'un grand livre sur les oiseaux qui a été cousu en pochette et donc à l'intérieur on trouve une carte postale qui vient d'un stock que j'ai récupéré de chez ma tante. Les cartes postales ont un petit peu plus d'un siècle, puisque la plupart sont datées entre 1914 et 1918. Et comme ben, forcément elles ont une thématique très euh, première guerre mondiale, mais qu'elles ne sont pas spécialement jolies, alors autant ce côté-là. Peut-être sympa, on a de l'écriture, la carte postale est, euh, est jolie, etc. Autant vraiment de ce côté-là, ça n'avait aucun intérêt. Donc j'ai imprimé des images d'oiseaux que j'ai collées par-dessus et j'ai ancré les bords. Ensuite, on a une page teinte avec du café, avec un trombone altéré que je n'ai pas fait, qui est un cadeau qui m'a été offert par Anne-Marie. Donc tu vois, Anne-Marie, j'utilise tes petits embellissements, je suis absolument ravie j'avais eu à la base l'intention du coup de m'en inspirer pour en faire d'autres pour en avoir au moins un bleu et un vert pour aller sur les autres et j'ai pas encore eu le temps mais je continue d'avoir ce projet là ici on a une carte de bibliothèque sur laquelle j'ai fait du serviettage avec un style de colle comme je vous l'ai montré dans une vidéo récente et donc ces deux oiseaux se répondent et ici, j'ai collé un petit morceau de ruban qui vient de chez Action. Ici, on a tout d'abord tout simplement une carte oiseau dans la page qui est cousue pour faire une pochette et avec un petit euh, pochoir sur lequel j'ai rajouté des oiseaux. Et ici, on a une page décorée avec des oiseaux d'un compte. J'ai énormément d'affection pour ces pages-ci. Je ne sais pas à quel âge vous avez, mais d'après les statistiques, vous avez à peu près mon âge, voire vous êtes plus âgé que moi, et du coup ça vous parlera peut-être. Lorsque j'étais petite, il était vendu chez les marchands de journaux des livres avec des cassettes audio qui s'appelaient Raconte-moi une histoire. Et ça m'a vraiment complètement bercé mon enfance. Je suis extrêmement attachée à ces livrets-là. Dans ma famille, on a encore quelques cassettes et quelques livrets. Les deux, d'ailleurs, ne coïncident pas toujours très bien. Mis à part ça, c'est complètement introuvable. Sauf que bah, j'ai trouvé une chaîne YouTube qui, en fait, les a euh, tous postés. Donc, on a l'audio et ils ont également scanné l'intégralité des livrets. Et j'avoue que j'ai illégalement imprimé ces pages-là pour celles en tout cas qui avaient des oiseaux, pour pouvoir décorer cette jungle journal. Tant pis parce que c'est vraiment un truc affectivement très important pour moi et ça me fait plaisir de les avoir là. Nous retrouvons la fenêtre que vous avez pu voir dans ma vidéo ben, dédiée euh, en partie à ça, qui, euh, par transparence, laisse apparaître un magnifique rouge-gorge qui vient d'un autre livre sur les oiseaux extrêmement euh, extrêmement joli également que j'ai trouvé d'occasion sur internet. Comme à chaque fois vous voyez que on a le texte de l'oiseau et sur l'autre page on a le dessin d'oiseau de quand je dépiote les pages pour ne pas les découper pour pouvoir refaire la reliure au milieu et pouvoir les garder dans ce sens là, dans le sens naturel ben forcément je sépare l'image de l'oiseau de son nom. Donc du coup à chaque fois que j'ai utilisé ce livre, et en plus ça fait une petite décoration assez sympa, j'ai rajouté une étiquette teinte avec du café sur lequel j'ai réécrit le nom de l'oiseau en français et ensuite en latin. Ici on a le même grand livre sur les oiseaux euh, qui a été utilisé au début ici, cette image de Cardinal Rouge est absolument mais somptueuse. Et ben, il s'est trouvé que j'avais un petit embellissement avec une fausse carte postale, également avec le même oiseau. Donc du coup, j'en ai profité pour agrémenter ce gros morceau blanc qui restait là sur la page. Ici, j'ai à l'aide d'une... Je ne sais pas si je vous avais fait une vidéo à ce sujet. Je ne me souviens plus. Ça fait un moment que je les ai fait cela Mais j'ai une perforatrice qui me découpe des tags comme ça et qui sont recto verso. Que j'avais recouvert avec du tissu. Donc j'en ai forcément choisi un rose pour rester un petit peu dans la thématique rose rouge de l'ensemble du junk euh, journal. J'ai placé un œillet rose et ici nous avons un nouvel petit pendant où celui-ci a un petit gros lot pour faire de la musique comme des oiseaux. Et de ce côté-là, nous avons un très joli coucou gris. Ensuite, ici, nous avons une page d'un bloc qui vient d'un hôtel au Danemark. Et alors, je ne sais pas si je vous avais montré cette technique. Peut-on vraiment parler de technique Mais voilà, quand vous avez une seule page comme ça d'un bloc, mais que vous souhaitez quand même garder le sens naturel de la page, et bien il suffit d'essayer de trouver deux pages relativement de la même hauteur de les coller chacune sur un petit morceau de papier que vous pourrez ensuite un petit peu camoufler en, en les encrant ou alors bah, essayer de trouver du papier qui est quand même relativement de la même couleur ce qui vous permet en fait bah, de coller vos deux pages en forme de livret et ensuite vous pourrez tranquillement faire votre relure. Ici nous avons un autre livre sur les oiseaux que je le trouve beaucoup moins joli que les autres, euh, probablement parce que ce sont des pages, euh, même pas euh, sur du papier glacé, mais carrément plastifiées. J'ai utilisé la même technique ici euh, pour euh, recréer une reliure parce que je trouvais assez rigolo de récupérer à la base les pages, elles étaient passées dans des anneaux, d'inverser les pages pour que les perforations soient côté extérieur et pouvoir les décorer en passant un ruban à l'intérieur. Ces pages-ci, je les adore, elles sont lisses, elles sont hyper agréables à toucher. Ah vraiment elles sont merveilleuses. Et elles ont une couleur vieillie par le temps, juste crème, trop jolie. Et toujours dans le toucher, sur ce côté-là, on a un relief. Je ne sais pas si vous le verrez. Avec ben, plein de, euh, de petits traits qui ajoutent vraiment au plaisir qu'est de toucher cette page. Et pour agrémenter le tout, j'ai également agrafé avec des mini agrafes cuivre pour leur donner un petit côté euh, plus vintage que des euh, agrafes euh, argentées classiques, un morceau de dentelle. Et nous tombons sur ma pochette de CD que vous avez également vue avec. Et une carte. Là, on a une page un petit peu rabotée qui vient d'un livret de mandala de chez Action avec bien sûr des oiseaux au milieu. Ici, nous avons ma reliure et ensuite je me suis amusée à tresser tout simplement les fils qui dépassaient. C'est également très agréable à toucher. Une fausse photo polaroïde collée avec du washi tape pour ne pas prendre complètement l'espace ici. Donc on pourrait encore écrire à loisir sur ce côté-là. Mes pochettes volantes, où je voulais vous faire une vidéo dessus, et c'est un tel cauchemar à monter que j'ai renoncé. Alors peut-être que je retournerai la totalité. Mais je me suis dit, si c'est irregardable pour moi au moment où je fais le montage, j'ose même pas imaginer ce que ce serait pour vous. Mais toujours est-il que ce sont des pochettes, donc que j'appelle pochettes volantes. De ce côté-là, on a un morceau de papier. Le tissu a également été teint avec du café parce que sa couleur naturelle est d'un jaune absolument immonde. Et donc c'est une double pochette. Ici on a un embellissement. Ici on en a deux. Un faux ticket. Une enveloppe trouvée sur Amazon. Et à l'intérieur on a encore des oiseaux. Quand je vous disais que ces junk journal était très chargé en embellissements, je plaisantais pas. Le tout est trombonné avec une autre page comme ça. Cette face-là n'avait vraiment pas d'intérêt. C'est donc l'endroit idéal pour avoir une pochette trombonnée dessus. Ici, nous avons un très joli martin pêcheur. Pour agrémenter cette page, j'ai cousu un morceau d'un très joli tissu. J'adore vraiment ce livre. <laughs> Les dessins sont juste trop jolis. Ici, un petit bout de dentelle avec deux agrafes également. Alors, ici, on a un embellissement qui vous permettrait également de faire tenir quelque chose comme ça. Tout simplement parce que euh, ce bloc-là venait d'un laboratoire pharmaceutique et donc il y avait la marque et c'était pas joli. Donc, du coup, je l'ai camouflé. Vous reconnaîtrez naturellement pour les plus assidus d'entre vous. Un morceau de snippet de tissu que je vous avais montré dans une autre vidéo, sur lequel j'ai également ajouté un oiseau. Donc vous voyez, c'est une utilisation de ces snippets. La bande à l'origine était beaucoup plus grande, mais ça ne vous empêche pas de découper un petit morceau pour avoir la taille dont vous avez besoin. Repochette ici sur lequel j'ai collé des images de tickets et dans lesquelles j'ai glissé encore deux images d'oiseaux. Et fait ici avec du pochoir, à un envolé d'oie sauvage. Également un morceau de dentelle sur lequel est accroché encore un autre euh, pendant, où là, le pendentif est un oiseau. Et enfin, ici, nous avons la dernière page qui sert également de pochette avec des faucons, également un ex avec un hibou ou une chouette. Et enfin, une autre carte postale. Avec un très vieux timbre. À l'époque, ça coûtait 15 centimes de francs <laughs> d'envoyer une carte postale. Et sur laquelle bah, j'ai collé également euh, une photo de rouge-gorge, parce que la carte postale elle-même n'était pas jolie. Et voilà, c'était tout pour tout. C'était long, mais on va aller plus vite pour les suivants. Passons donc au junk journal qui est sur la thématique plutôt bleue. Bien que entre le bleu et le vert. Euh, au niveau des couleurs, il n'y a pas forcément beaucoup de différence. Donc celui-là aussi, il a le pendant avec la note de musique. Tous les trois, sur la couverture, le pendant est avec une note de musique. le snippet que vous aviez vu l'autre morceau dans le euh, journal rose donc ici j'ai replié pour vraiment faire un bord euh, qui dépasse ça sert un petit peu de, de tag et parce que bah du coup c'était pas forcément joli de voir de ce côté là le papier euh, ça agrémente très joliment je trouve cette page là ça fait un Joli effet entre le bleu ici, transition jaune et ici les euh, manchots empereurs avec du bleu et du jaune. Il s'agit d'un tag qui pourrait également servir pour mettre quelque chose là, fait avec un tampon de la VersaFine noire et coloré avec les euh, feutres à alcool de chez Action sur lesquels j'ai vaguement essayé de faire un effet un petit peu euh, tache, vaguement aquarelle, mais ce n'est pas les feutres aquarelles. Hein. Ah, par contre ça, j'aime beaucoup ça. Je le trouve vraiment super joli. Ça vient d'un vêtement également que j'ai complètement décousu. Donc j'ai une longue bande de cette broderie dégradée jaune et bleue. Je la trouve magnifique et je trouve, je trouve vraiment cet ensemble de deux pages là super joli. Alors, celui-ci, euh, comme je ne doute pas un seul instant que je me rachèterai d'autres euh, serviettes en papier avec des oiseaux, à terme, je la remplacerai parce qu'en fait, je me suis servi deux fois de la même image dans le jungle journal, une fois sur une page et une fois sur cette carte postale, et ça ne me plaît pas trop en fait d'utiliser deux fois la même décoration. Donc, du coup, celle-ci, je la remplacerai, mais en attendant, comme celui-ci a la particularité, c'est un peu un hasard, mais de contenir. Tous les oiseaux que j'ai actuellement en serviette, et eh ben, je suis un peu coincée, quoi. J'en ai plus en serviette euh, que je peux déjà remplacer pour la pochette CD. Donc, pour l'instant, celle-ci reste là, mais elle sera très vraisemblablement amenée à être remplacée. Euh, ici j'ai pas tressé parce que je sais pas, j'étais pas d'humeur ce jour-là. Euh, le hasard a fait que euh, ma pauvre chouette euh, la couture est en plein dans son œil et du coup euh, bah, j'ai préféré laisser les deux fils pendant. Je sais pas, je la sentais pas la tresse là. Voilà, on en a terminé avec le passage en revue de cette langue journal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye